Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver depuis le paddock du désert de Bahreïn pour vivre la deuxième manche de la saison 2017 avec, pour McLaren comme pour beaucoup d'équipes, les premières évolutions qui viennent s'installer à bord des différentes machines. Et vous allez voir, on va faire le point ensemble sur les nouveautés au sein de la structure britannique. McLaren aura donc une nouveauté moteur. Une nouvelle gestion du carburant qui améliorera la gestion en cas d'économie. Une deuxième fonction de carburant qui passe donc à 4 sur 5. Donc on a bien travaillé. Un allègement du châssis avec la structure du nez avant de la McLaren. Voici donc où nous en sommes en termes de recherche et développement. C'est désormais McLaren Honda qui mène la danse. Vous le savez donc, nous sommes du côté de Bahreïn. Et avec Bahreïn rime la chaleur. Les moteurs vont donc souffrir sur cette piste de 5,4 km. Et on commence tout de suite avec la première séance d'essais libres le vendredi qui a été marquée par une chaleur harassante qui attendait les pilotes pour la première séance. Vous le savez, la particularité depuis quelques années pour ce Grand Prix de Bahreïn, c'est de courir de nuit. Et on se rappelle du duel de Lewis Hamilton et de Nico Rosberg, le retraité tout frais de cette saison et 2016. C'était à couteau tiré qu'ils s'étaient échangé les positions en fin d'épreuve amenant le Grand Prix de 2014 comme l'un des plus beaux de l'histoire des Grands Prix de Bahreïn. On rappelle que ce circuit a été ouvert en 2004 après sa construction 2 ans plus tôt. On passe en compagnie de Stoffel, Van Dorn et de Jeff à la radio. Vous le savez, on continue d'avoir les interviews et les communications surtout entre Jeff et Van Dorn en exclusivité. Et on entame avec le pilote belge de la McLaren un tour de cette piste de Bahreïn qui s'annonce assez intéressante avec l'évolution des températures. Vous savez, 15 virages donc sur cette piste de 5 km 400 environ. Ici sur la gauche, vous avez l'ancien tracé que l'on a utilisé par le passé et qui n'a finalement plus été retenu par la FIA. Sachez aussi que le record est toujours détenu par Lewis Hamilton. C'était l'an dernier en 1:29.493. Voilà, vous connaissez un petit peu tous les chiffres de ce circuit. On va maintenant s'intéresser vraiment à ce qui se passe en piste. Alors qu'on confirme à Stoffel Van Dorn que la météo restera au beau fixe, on s'en doutait un petit peu qu'il n'allait pas pleuvoir dans les prochaines minutes du côté de McLaren. On a accès à une certaine partie évidemment des conversations radio, mais pas non plus à l'ensemble de ces dernières. On a raté un point de DRS et effectivement, vous allez le voir, on l'a appris peu avant le début du week-end. En fait, McLaren a un souci de DRS. Alors ça a touché Fernando Alonso en tout début de séance d'essai libre 1 et Stoffel Van Dorn lors de cette séance d'essai libre 2. Et la solution est simple, il faudra attendre Shanghai, la troisième manche, pour voir ce problème résolu, puisque on ne peut pas faire changer les conditions de piste et surtout faire évoluer la voiture pendant un week-end de course. C'est interdit pour le moment. Chaussée des pneus médium à bande blanche que l'on a baptisé hard lors de la première épreuve, tout simplement parce que c'était les plus durs à la disposition du pilote. Et on va conclure le tour le plus rapide pour Stoffel Van Dorn dans cette première séance qui verra donc Kimi Raikkonen et sa Ferrari mener devant Lewis Hamilton. On n'a pas de chrono derrière pour Stoffel Van Dorn qui était assez loin. La deuxième séance du week-end se passe de manière un petit peu plus ombrageuse. Il fait beaucoup moins chaud. On va pouvoir rouvrir un petit peu, refermer les écopes de frein également. On va pouvoir se préparer à une condition un peu plus fraîche ici, plus de vent aussi. Avec les deuxièmes séances d'essais libres généralement retenues par les pilotes pour évaluer la composante pneumatique et gérer l'usure des pneus. Vous voyez ici Stoffel Van Dorn évoluer en pneus soft, les pneus à bande jaune. Et le principe est toujours le même. Vous commencez à bien le connaître si vous nous suivez depuis l'année dernière. Il faut passer sous un temps pivot et avoir une certaine quantité d'usure dans les pneumatiques, ce qu'a souffert l'ami Stoffel Van Dorn sans trop de problèmes dans cette première séance. Vous voyez qu'on a également essayé d'aller chercher la limite dans cette deuxième partie du vendredi, mais Van Dorn devra se contenter, après avoir complété son travail auprès des pneumatiques, d'un cinquième temps provisoire. On a vu que devant,
eh bien pas mal de voitures étaient en super soft, alors que les pneus alloués pour ce week-end devront être choisis avec parcimonie, puisque on sait la chaleur pourrait faire des dégâts, notamment lors du premier relais. Il sera intéressant également de voir ce qui sera retenu par les pilotes lors de la Q2, puisque les pneus utilisés en Q2 seront ceux avec lesquels ils prendront le départ ce dimanche. J'espère que vous suivez. En tout cas, pour cette deuxième partie de la journée, le vendredi soir se passe bien pour tout le monde. On n'a pas noté de gros problèmes mécaniques, si ce n'est les Sauber. Les deux Sauber se sont retrouvés arrêtés sur le bord de piste en début d'épreuve. Moment venu, on devra avoir des informations auprès de Monisha Kaltenborn. En pneus super soft, ce sont les deux Mercedes de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas qui se sont montrés les plus véloces à l'issue du vendredi. Place désormais au samedi. Pour le samedi, eh bien c'est simple, on commence à transformer la voiture d'un réglage course à un réglage qualification. On la prépare pour le samedi soir, ici en tout cas à Bahreïn. Et on va voir surtout comment bien certains vont réussir à tirer leur épingle du jeu. On attend de bonnes performances de voitures habituellement évoluant dans le milieu du tableau. On attend les As aux avant-postes, on attend les Manor. Pourquoi? Eh bien parce que les Manor avec le moteur Mercedes n'est plus dans les conditions de Melbourne, mais bien avec le moteur 2017. Et oui, Mercedes a décidé d'équiper les Manor, désormais devenus Junior Team. On vous en a parlé à Melbourne lors de notre première retransmission. Et bien c'est avec le bloc 2017 que désormais Manor évoluera. On espère donc voir Jordan King et Felipe Nasser, qui étaient à pied il y a de cela encore 2 mois, et bien faire de belles performances. La preuve pour l'instant, puisque c'est la 4ème place pour Jordan King avec les pneus soft sur la Manor. On continue d'évoluer dans le deuxième secteur. Vous voyez qu'avec Van Dorn, c'est pas toujours gagné. Il y a une as sur le chemin du pilote belge. Difficile de distinguer depuis l'arceau de Van Dorn de qui il s'agit devant lui. Je pense que ce doit être Romain Grosjean, le français. Et c'était malheureusement Kevin Magnussen. Les habituelles conditions météo dont on informe le pilote, c'est assez redondant, mais ce ne sont que à ce genre d'informations que nous aurons droit cette saison 2017, surtout quand le pilote ne fait pas de retour. La fin de cette 3ème séance d'essai libre, et vous voyez, ça n'est pas folichon au niveau du Delta pour Stoffel Vandoorne, qui n'arrive pas à arriver où le demande son ingénieur en termes de performance. Mais malgré tout, eh bien c'est quand même suffisant pour McLaren, qui réussit à verrouiller les deux premières places en super soft devant les Ferrari et la Haas de Romain Grosjean. Vous voyez, il y a pas mal de voitures qui étaient un petit peu en avance et qui se retrouvent en retrait, et vice versa avec les Williams qui sont un petit peu plus à leur affaire. Malheureusement, des équipes restent à leur position, c'est-à-dire dans le fond de tableau. On pense notamment à l'équipe Sauber. La 5ème place en qualification, voilà l'objectif pour Stoffel Vandoorne, en plus de battre son équipier Fernando Alonso et la Mercedes de Valtteri Bottas. Samedi soir, séance qualificative du 2ème Grand Prix de la saison. Nous sommes en direct du paddock de Bahreïn. Il fait plutôt clair, il fait un petit peu nuageux, on ne va pas vous le mentir. On est dans des conditions un peu moins clémentes qu'en début d'après-midi pour la Q3. 24 degrés actuellement sur la piste, ce qui n'est pas énorme quand on sait qu'on peut monter ici jusqu'à 35-40 degrés. La monoplace de Marcus Ericsson, flanquée du numéro 9, pardon, est actuellement à l'image. Ici, Romain Grosjean qui a bien réussi ses essais libres. On regardera du côté de chez Haas pour la conclusion déjà de la Q1, voir si l'une des deux voitures, voire les deux voitures, eh bien, a la possibilité de s'extraire de cette première partie de qualification qui vient de débuter avec Stoffel Vandoorne en piste face au chronomètre comme pas mal de pilotes. On est sorti assez tôt dans cette séance puisqu'on craint pour les moteurs. On a peur d'avoir du drapeau jaune au moment où on est en tour rapide. Et bon nombre de pilotes nous ont confié à l'issue des essais libres hier soir qu'on allait rapidement monter en piste pour la qualification. Pour deux bonnes raisons. La première, eh bien, c'est la température. Et la deuxième, eh bien, c'est le gommage de la piste. Alors le gommage de la piste, si vous ne savez pas très bien comment ça marche, eh bien, à force de passer sur le goudron, les voitures déposent de la gomme issue de leurs pneus, ce qui permet de gommer la piste, donc d'avoir plus d'adhérence, plus de grip et d'aller plus vite au fur et à mesure de l'évolution des séances lors du week-end. Malheureusement, ici, nous sommes en plein milieu d'un désert, même si la ville s'est bien développée autour du circuit de Sakhir, il reste quand même pas mal de bancs de sable et de vent qui entourent le circuit, donc c'est un petit peu plus compliqué d'avoir une piste gommée et on a beaucoup plus de temps nécessaire pour atteindre un taux de gommage de la trajectoire assez correct, surtout au niveau de la qualification, parce qu'entre les séances, eh bien le vent souffle ici à Bahreïn. On va terminer le premier tour de Stoffel Vandoorne dans cette séance avec, vous le voyez, la nouvelle McLaren. Il y a pas mal d'évolutions, alors ça ne se voit pas forcément de la manière visuelle, mais en tout cas sur la fiche technique, on a annoncé une demi-seconde de mieux
que lors du Grand Prix de Melbourne. On va voir si Eric Bouillet eh bien, a joué un petit peu avec nos pieds ou a dit la vérité. La réponse déjà dans quelques secondes avec la fin du premier tour. Jeff, I need an update on the current classification, please. That's P2, you're currently in second place. Et le résultat de cette première séance avec un Stoffel Vandoorne qui se retrouve troisième derrière Fernando Alonso et Sébastien Vettel. Ça s'est bien passé. Derrière, on notera le retrait notamment de Julian Palmer. C'est dommage pour les Renault qui ont un peu plus de mal quand il fait chaud, on le sait. La Q2 va nous donner une information importante. Les gommes avec lesquelles les pilotes s'élanceront demain pour la course de dimanche. On voit que les deux McLaren sont actuellement l'une derrière l'autre en piste, ce qui nous donnera aussi une petite évolution sur la guéguerre qui est en train de monter du côté de chez McLaren avec eh bien, la nouvelle performance de la voiture. Eh bien, Eric Bouillet nous a dit que deux voitures sur les trois premières places étaient possibles puisque Ferrari a également pas mal fait évoluer sa machine. Mais aujourd'hui, l'adversaire principal de McLaren sera la Scuderia puisque Mercedes est un petit peu en retrait dû à la chaleur. Mais ne vendons pas trop vite la peau de l'ours. On ne sait pas ce qui peut arriver. Sainz avec la Toro Rosso pour l'instant est en 1.34. Le pilote espagnol et sa monture autrichienne sont pour l'instant détenteurs du tour le plus rapide, ce qui n'a pas grande importance dans cette deuxième séance. Il suffit simplement de se classer parmi les 10 premiers pour pouvoir s'extraire de cette deuxième séance et accéder au dernier moment de cette qualif. La Q3 de nouveau, une Sauber au ralenti décidément. Depuis leur achat de BMW, on a certes des fonds, mais on n'a pas encore de développement du côté de l'équipe de Monisha Kaltenborn. Et ça a été très très chaud pour Stoffel Vandoorne qui a été gêné. Je me demande si ça n'est pas la voiture de Pascal Wehrlein. Max Verstappen qui doit se remettre d'un Grand Prix d'Australie a oublié avec une casse moteur et une qualification 11e place lors du premier round. Eh bien, le Néerlandais montre qu'il a repris toute son énergie avec le meilleur temps battu à l'instant par Stoffel Vandoorne. Et non, Vandoorne n'est pas en pole, c'est Alonso en 1.32.532. Et bien voilà pour le pilote espagnol qui se montre le plus véloce. Les deux Williams sont pas passés, il y en a une déjà, c'est celle de Felipe Massa, ça fait plaisir. Et la performance tout de même aujourd'hui, et bien c'est le passage en Q3 de Pascal Wehrlein avec la Sauber. On parlait à l'instant des difficultés de Sauber à trouver le rythme et les moyens pour avoir du développement. Et bien, force est de constater qu'ici, ils ont pris un peu tout le monde de court. Ils ont bien évidemment réussi un chrono en super soft pour accéder à la Q3. Mais je pense que la 10e place sera bel et bien le rang de Pascal Wehrlein à l'issue de cette Q3. Q3 qui a débuté désormais, la nuit est tombée sur Bahreïn. On va pouvoir assister à une des séances les plus fraîches, les plus jolies et les plus plaisantes pour les photographes amassés derrière les Armco tout au bord de cette piste. On va pouvoir apprécier les couleurs des voitures qui varient un petit peu et surtout un détail assez sympathique, les visières transparentes qui nous permettent de voir le regard du pilote. C'est Sébastien Vettel, le pilote allemand, et sa Ferrari qui sont pour l'instant eh bien, en train de mener les débats ici à Bahreïn pour cette Q3. Mais attendons tout de même le retour des McLaren. On sait qu'elles vont être très rapides. Ce sera sans doute l'une d'entre elles ou une Ferrari qui obtiendra la pole position. On reste attentif également au chrono. Ça continue. Hamilton qui s'empare du meilleur temps désormais. Pas mal pour le pilote britannique. On attend la sortie du troisième secteur pour Vandoorne. Il y a une voiture devant. Je ne pense pas que le pilote belge sera gêné. Bien au contraire. Peut-être un petit peu d'aspiration histoire de l'amener jusqu'à une potentielle pole position. C'est une Williams. C'est celle de Felipe Massa. On ne peut se tromper. C'est le seul de la structure Williams qui a réussi à hisser sa machine en Q3. Et le verdict du chrono pour Stoffel Vandoorne, c'est le troisième temps derrière Hamilton et Raikkonen. Aïe, 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 on attendait un petit peu mieux de la part du pilote belge. Et bien voilà les résultats de cette qualification. Hamilton sera aux côtés de Raikkonen sur la première ligne devant les deux McLaren. Cela promet un Grand Prix détonnant dont l'objectif de Stoffel Vandoorne sera bien sûr de se placer cinquième et de battre Bottas et Alonso. On commence à connaître un petit peu les objectifs du cours 13e. Dimanche, jour de Grand Prix, bienvenue à Bahreïn sur la piste de Sakhir où nous sommes à quelques minutes de l'extinction des feux. On va pouvoir ensemble découvrir la grille de départ de cette deuxième manche avec Kimi Raikkonen qui partira donc en pole position. Belle performance de la Scuderia Ferrari. Hamilton qui a réussi aussi à contrer le sort en prenant une belle deuxième place. Verstappen, cinquième, bien joué.
Le contre-coup de Bottas qui n'est que 7e. Les deux Toro Rosso sont dans le top 10, quasiment. Hein. Sainz 11e, c'est bien aussi. Et la performance du jour est quand même à mettre au compte des Manor qui, équipés de leur nouveau moteur, se placent 16 et 17e pour les Manor. Renault a souffert avec Nico Hülkenberg qui ferme la marche aujourd'hui en 22e position. Okay, everything is fine at the start for the car and for me too. Et du côté de Stoffel Vandoorne, tout a l'air de bien se passer à bord de la McLaren MCL 32. On va voir si du côté des pilotes, on va être prudent au niveau du départ. On espère que ça se passera aussi bien que lors du premier Grand Prix de Melbourne. On avait un petit peu peur que l'excitation prenne le dessus sur le professionnalisme, mais ça s'était finalement bien passé. On attend donc une course assez intéressante avec devant quasiment l'ensemble des pilotes en Q3 qui seront partis chaussés de pneus super soft, hein, ces pneus à bandes rouges que vous voyez. Et on va voir surtout si Lewis Hamilton peut résister au McLaren en début de course. Alors McLaren qui est un petit peu peut-être passé au-dessus de ses ambitions en termes de gains de performance, parce qu'on s'attendait, pour ne pas vous mentir, à avoir deux McLaren sur la première ligne. Après les propos d'Éric Bouillet tenus et vendredi et hier après la première séance d'essai libre du samedi, enfin la dernière du week-end. Et finalement, ce ne sera qu'une deuxième ligne pour les deux oranges. Bref, elles sont pressées, ces deux oranges, d'en découdre. On va voir si, déjà au départ, on peut avoir un gain de la part éventuellement de Vandoorne d'aller chercher Lewis Hamilton, ou si Alonso va se mettre sur le chemin de son équipier belge. On rappelle évidemment que en ce début de saison 2017, les équipes et les équipiers ont décidé de se remettre sur un pied d'égalité chez McLaren, chez Ferrari et chez Mercedes, après ces Bottas qui devaient être le porteur d'eau d'Hamilton selon beaucoup, selon la presse également lors de l'hiver. Et finalement, c'est lui qui est leader de ce championnat pour l'instant. Et les premières voitures qui viennent rejoindre leur emplacement sur la grille de départ juste en dessous de notre cabine. Il fait assez humide pour ce départ. On espère que les moteurs vont tenir le coup. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Okay, if the temperatures are still like that, I think I can catch the Mercedes before the first corner. So it looks good. Allez, on est motivé du côté de Stoffel Vandoorne. La grille de départ du deuxième Grand Prix de cette saison 2017 de Formule 1 est en train de se former. On attend les derniers pilotes qui viennent arrêter leur monoplace sur l'emplacement qui leur est dédié. À droite, ce sera Kimi Raikkonen. À gauche, Lewis Hamilton. Les 5 feux qui s'allument. Et c'est parti, on roule à Bahreïn avec un bon envol de Lewis Hamilton qui surprend Kimi Raikkonen. Les deux McLaren sont également passés. On s'est loupé du côté du pilote finlandais. Attention à la première épingle, c'est toujours un moment délicat, et je crois même que ça va passer du côté de la Red Bull. En tout cas, les deux McLaren sont devant et Verstappen va également s'emparer de la position de Kimi Raikkonen. Ça passe sans encombre, il y a une voiture qui est sortie dans le fond de l'image, c'est une Renault, et Raikkonen qui continue de souffrir avec un Verstappen qui lui est chaussé de pneus soft. Attention, parce que la stratégie va jouer et Raikkonen qui résiste. On a donc Lewis Hamilton au commandement devant les deux McLaren, Kimi Raikkonen et Vettel qui n'a pas pu profiter du mauvais départ de Verstappen qui reste devant lui. Allez, on revient sur la tête de course avec Stoffel Vandoorne qui bloque les roues. Attention, c'est peut-être pas forcément tout de suite monté en température pour certaines parties des voitures départ propres, en tout cas ici à Bahreïn. Et Fernando Alonso qui est en train déjà peut-être de mettre ses menaces à exécution face à Lewis Hamilton. Alonso qui avait dit avant le départ qu'il allait tout tenter pour au moins dépasser son coéquipier, c'est fait. Safety car, safety car. No overtaking. Reduce your pace. Keep your delta number positive as we form up. We're considering switching to an alternate strategy. Do you want to change or stick to plan A? Stick to our strategy. We stick our strategy and ask Fernando to stop braking in front of me. It's really dangerous. Alors que la safety car est désormais sortie en piste, on va voir déjà la raison pour laquelle cette voiture de sécurité a fait son apparition, semble-t-il. Ce serait
pour du sable présent dans le premier virage. On revoit le départ depuis la voiture de Jordan King. Il partait aux alentours de la 15e place. Hein. Bonne performance des manœuvres et beau départ de Jordan King. Alors il y a du monde là sur la gauche. Il y a Max Verstappen, Daniel Ricciardo avec la Red Bull. Sur la droite, il y a les Sauber. Il y avait une Haas également. Ouais, il va toucher Esteban Ocon. Allez, le départ depuis la voiture de Valtteri Bottas qu'on n'a pas beaucoup vu. Ouais, ça a un peu fumé, un petit trop plein d'huile ou une roue bloquée devant. C'était assez bizarre. On a vu Massa sur la droite avec la Williams qui parvient correctement à s'extraire. Et voilà, Raikkonen et Vettel qui sont un petit peu pris de court dans la première accélération. Pas le meilleur départ de l'histoire de la structure Mercedes. Du côté de chez Toro Rosso, on est avec Daniil Viet. Oh là là, qui s'est complètement loupé. Avec son équipier derrière qui va peut-être passer. Sainz qui se présente sur la droite. Ah oui, là, Daniil Viet qui a pris un très mauvais départ. Évidemment, logiquement, ça passe pour Carlos Sainz Junior. Attention que ça ne se touche pas entre équipiers. Derrière, on a vu que c'était assez propre. Et finalement, non. Il y a eu contact entre le ponton de... Alors que là, c'est Julian Palmer que l'on voit. Beaucoup de ralentis de ce départ. Alors qu'on est toujours sur un gym de voiture, c'est de sécurité, évidemment. Alors, Julian Palmer, lui, il partait extrêmement loin sur la grille. Ils étaient en dernière ligne, les deux pilotes Renault. On voit sur la gauche Felipe Nasser. Et on va voir ce... Ah oui, ce qui s'est passé d'ailleurs. Ah oui, voilà, c'est Nico Hülkenberg qui envoie son propre équipier dans le gravier. Et voilà, et c'est le gravier ramené par Julian Palmer. C'est lui qui provoque cette voiture de sécurité le temps que l'on balaye un petit peu les dégâts. La voiture de sécurité toujours sortie. Safety car in this lap. Safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature. And remember, there is no overtaking until the first safety car line. Stay in position until the green flags. Ok, Jeff, no. Alors que du côté de chez Stoffel Vandoorne, on est plutôt content de ce qui se passe et on va relancer la course après 3 tours sous régime de voiture de sécurité. Oh là, on est très proche du côté de Vandoorne. On sait qu'on doit attendre la première ligne de safety car pour dépasser. Voilà, Hamilton qui relance la meute et déjà au moment de passer devant nous, Vandoorne qui se porte à la hauteur et qui prend la tête, incroyable! La Mercedes qui a complètement loupé son envol et Alonso qui fait le frein à tout le monde! Et l'Espagnol qui vire en tête à l'issue du premier virage devant la McLaren de son équipier. Quel départ des deux machines oranges. Et Hamilton n'a rien compris à ce qui vient de lui arriver. Et Vandoorne qui va à son tour aller chercher Alonso pour la tête. Ils sont côte à côte dans le deuxième secteur. Est-ce que le pilote espagnol va résister à l'expérience? Oh, c'est très très chaud dans les enchaînements. Et finalement, c'est Fernando Alonso qui garde la tête. On est avec Lewis Hamilton. Et bien, un départ qui aura été bien surprenant pour le pilote britannique comme pour nous tous finalement. Allez, retour avec Vandoorne, deuxième désormais, les McLaren qui mènent, mais on est proche désormais de la fenêtre des arrêts au stand et les deux pilotes sont sur la même stratégie. Logiquement, l'avantage serait à Alonso qui est en tête. En tout cas, le peloton semble déjà être bien étiré alors que l'on n'a même pas fait un tour sous régime de drapeau vert. C'était assez chaud. Et ça se bat derrière, vous ne le voyez pas, mais il y a des voitures qui sont en train de se mettre à 3 de front dans la ligne droite de retour. Voilà, avec Felipe Nasser sur la manœuvre, qui est en train d'aller chercher une Haas. Je crois que c'est celle de Romain Grosjean, exactement. Ils sont derrière Jordan King, hein, qui est toujours devant, là, en train de faire une performance incroyable dans ce début de course. Les Renault remontent petit à petit. On a une Mercedes, celle de Bottas, qui est dans le fond de l'image. Et Bottas qui s'est fait avoir et l'attaque de Lance Stroll et le Canadien qui passe. Pas de DRS pour le moment, il faut attendre 2 tours après l'intervention de la voiture de sécurité. Et c'est au tour de Marcus Ericsson de se porter à la hauteur de Jordan King à la 3e ligne qui est créée par Sergio Perez. Le Mexicain n'a peur de rien et ça plonge. Oh, et Nasser qui va peut-être perdre 2 positions, c'est chaud avec Ericsson, ça se touche. Et ça reprend l'avantage pour Nasser, mais c'était extrêmement chaud entre Nasser et Ericsson, et c'est pas fini. Le Suédois qui va se porter à la hauteur de l'Allemand, mais ça ne peut pas passer. Oh que c'est chaud avec la manœuvre, rendez-vous compte, la manœuvre qui est en pneu médium, elle a les bandes blanches sur les flancs de ses pneumatiques. Oh, et Vandoorne qui est en tête, on ne l'a pas vu. Stoffel Vandoorne qui a pris la tête du Grand Prix, malheureusement on n'a pas vu la manœuvre qui a permis au pilote belge de dépasser son équipier espagnol. Ah, c'est dommage, la réalisation va peut-être nous le remontrer, mais malheureusement, pour l'instant, ça n'est pas au programme, semble-t-il.
Et bien voilà, Vendôme qui s'empare de la tête du Grand Prix avec potentiellement le meilleur tour. Et on invite Vendôme à rentrer au box évidemment. Et c'était important pour Vendôme de se placer devant Alonso. C'est lui désormais qui a les commandes pour décider de son arrêt ou non. Et ça bloque les roues, ce qui me fait penser que le pilote belge va opter pour la voie des box assez rapidement. Et voilà, ça plonge. Premier arrêt pour Stoffel Vendôme. Attention à ne pas dépasser les 80 km/h. Il est imité derrière lui par, je crois, Kimi Raikkonen et Lewis Hamilton. Que va-t-on monter aux différents pilotes du côté de Vendôme? Ce serait des pneus médiums. Et non, oui, ce sont des pneus médiums. Tout comme pour Kimi Raikkonen, effectivement. Nous sommes avec le Finlandais et je crois que Lewis Hamilton est reparti avec un nouveau train de pneus soft. Et bien voilà, et bien ces trois-là vont profiter désormais d'une piste bien libre, alors que vous le voyez, le moment de transition entre chien et loup dans le ciel de Bahreïn. Okay, thanks. Good choice for the strategy. I think I can now put some qualifying laps together. Et Stoffel Vendôme qui nous explique qu'il peut désormais enchaîner les tours qualif. La piste est libre et ça n'est pas le cas pour tout le monde. La preuve encore avec Jordan King, 15e. À la bagarre avec Julian Palmer et la Renault qui a pris un bon départ. Il est 14e, le Britannique, alors que du côté de chez Renault, c'était la dernière ligne qui attendait les deux pilotes. Valtteri Bottas à l'aspiration peut-être. Alors que devant, on voit Perez qui est en train d'attaquer. Et Nico Hülkenberg, son ancien équipier chez Force India. Ah, et on informe Stoffel Vendôme d'un souci technique sur la voiture de Julian Palmer. Je dois vous avouer qu'à moins d'un aileron endommagé, on n'a pas vu grand-chose de notre côté. On peut vous dire aussi que ça va rentrer d'ici quelques secondes pour le reste du peloton. Aux yeux de... Voilà, Alonso qui rentre. Le leader qui rentre au box, laissant ainsi le commandement à Sébastien Vettel et à Max Verstappen. Et ce sont des pneus médiums. Même stratégie pour Stoffel Vendôme et Fernando Alonso. La question maintenant, c'est qui va ressortir en tête à l'issue de cette première salve d'arrêt, Vendôme ou Alonso? Oh, et Vendôme à l'extérieur qui ne peut pas attaquer Alonso. Si, peut-être. Ils vont être côte à côte, les deux pilotes McLaren. Et c'est passé pour Vendôme qui s'empare de la première place virtuelle de ce Grand Prix de Sakhir. On retourne avec Lance Stroll à la bagarre avec l'une des manors. C'est celle de Felipe Nasser. Non, c'est Jordan King, pardon. Je n'avais pas reconnu le casque du pilote britannique dont c'est le deuxième Grand Prix qui avait, rappelez-vous, marqué des points du côté de Melbourne pour sa première apparition en Formule 1. Un moment sans doute qui restera longtemps dans la mémoire du jeune Britannique. On retourne avec ce qui est censé être la tête de course, même s'il y a encore des gens qui doivent passer par les box. On a donc Vendôme, Alonso, Hamilton et Raikkonen. Et ça, c'est la tête de course. Ces quatre pilotes-là ont ravitaillé. Eh bien, en tout cas, les McLaren qui nous avaient annoncé une performance d'une demi-seconde supplémentaire, ça n'était peut-être pas en qualification, mais en course, elles tiennent pour la première fois le rythme sur un circuit qui n'est pas forcément en leur faveur. On sait que l'année dernière, les déficits moteurs de l'équipe britannique étaient assez importants, leur posant beaucoup de problèmes. On se rappelle de Baku, notamment, qui avait été un calvaire pour Alonso et pour Vendôme. Mais ici, eh bien, on a l'air de balayer tout cela d'un mauvais souvenir. Alors attention, parce que là on a Palmer qui rentre au box. DRS will be offline. There's a fault with the rear wing system. Stay out. We can work on a fix remotely. Okay, try to fix it as soon as possible, guys. I need this DRS to catch the podium. Please try to fix it ASAP, please. Oh, et du côté de Stoffel Vendôme, le message est simple, on lui annonce que son DRS est cassé, il ne peut plus l'utiliser. Alors qu'ici on a les deux Toro Rosso et particulièrement Sainz à l'image qui chasse Vettel. Et donc un problème de DRS du côté de Stoffel Vendôme. C'est pour cela qu'on ne l'avait pas vu l'actionner dans la ligne droite de retour tout à l'heure. On est avec Max Verstappen désormais qui se bat pour une 13e place face à Carlos Sainz. Fernando Alonso et Stoffel Vendôme, les deux leaders virtuels de ce Grand Prix. Jordan King est pour l'instant 6e avec la Manor, mais il n'a pas encore ravitaillé. Il était parti avec les pneus médiums.
et donc un souci de DRS pour Stoffel Vandoorne, ce qui risque de lui poser problème, même si là pour l'instant ça n'est pas trop gênant puisqu'il arrive à conserver plus d'une seconde d'avance sur Fernando Alonso, qui au passage d'ailleurs Fernando Alonso semble être en difficulté avec un Lewis Hamilton qui lui revient dessus. Les écarts, tout comme à Stoffel Vandoorne, vous l'avez entendu, 1 seconde 3, et c'est Ricardo qui mène ce Grand Prix. Ici on est avec, je pense, Sergio Perez qui se fait attaquer par Lance Stroll. Non, ça n'est pas Perez, pardon, c'est Esteban Ocon. Tout ça sous le nez de Jordan King. Et c'est passé. Alors, Jordan King résiste. Et Jordan King qui doit résister à... Attention, Alonso derrière qui va peut-être subir la loi de Lewis Hamilton. Eh non, c'est Raikkonen qui va en profiter pour doubler le Britannique. Non, on se ravise chez Ferrari, on a failli plonger, ça aurait été une petite bêtise là. Mais Alonso est sous pression et devant Vandoorne qui parvient à se débarrasser de Jordan King. C'est une bonne chose pour le Belge. Va-t-on assister à la première victoire d'une McLaren cette saison ou va-t-on voir Hamilton ou Raikkonen empêcher tout cela? On va avoir une réponse d'ici quelques tours. En tout cas, Alonso est sous pression, ça c'est clair. On est à bord de la voiture de Lewis Hamilton, chassé par Kimi Raikkonen dans ce Grand Prix de Bahreïn. La nuit continue de tomber au-dessus de Sakhir et la lutte est d'autant plus belle dans ce Grand Prix que l'on ne connaît pas qui pourrait l'emporter pour le moment. Ne fût-ce que l'ordre du podium nous est totalement inconnu, si ce n'est que pour l'instant on attend de voir quand les manœuvres vont rentrer. Sergio Perez est pour l'instant 5e du Grand Prix dans ce 10e tour de course. Il y en a 29 à boucler ce soir à Bahreïn. Et le leader, c'est un pilote qui était parti très loin, c'est Daniel Ricciardo. Et ça rentre pour Esteban Ocon, le Français. Attention à la limite des box, ça a été tout juste là niveau transpondeur. Ça fait gagner une place à tout le monde. Ça met Jordan King dans le top 5. Hein. Je dis ça, je ne dis rien. Et on passe d'un pneu soft à un pneu médium pour le Français. Allez, Esteban Ocon qui a de bonnes chances de marquer des points aujourd'hui à Bahreïn. Alors que les deux Toro Rosso sont à l'explication. Oh là là, c'est un jeu très dangereux. Et oui, ils sont sur la même composante pneumatique. Et Daniil Kvyat qui doit résister. Oh, il se touche. Et c'est pas très malin. La résistance de Carlos Sainz. Finalement, c'est Kvyat qui va passer, je pense. On est en lutte pour la 11e place. Mais il y a encore des arrêts, évidemment, pour certaines voitures devant. Et tout cela sous eh bien, le regard impuissant de Max Verstappen. 13e de ce Grand Prix. On est à bord de l'hélicoptère qui nous fait voir un petit peu les écarts en temps réel. On y découvre la Haas qui suit ce trio infernal. Mais ça doit faire mal au cœur à Max Verstappen de voir les deux voitures sœurs et son coéquipier mener pour l'instant dans la lutte qui oppose la petite structure à la grande. Et Ricciardo conclut un nouveau tour en tête. Pas d'arrêt pour le moment, évidemment, avec les pneus médiums, on va aller... Enfin, les pneus blancs. Les pneus... du leader, on va aller le plus loin possible. Ça rentre pour Sergio Perez et je crois Penasser. Je sais pas plus parce que Jordan King doit être toujours derrière. Verstappen toujours bloqué derrière les deux Toro Rosso, on vient de le voir. Alors qu'à la réalisation ça a été un petit peu fouillis depuis quelques secondes. Voilà le nouveau tour couvert avec le DRS pour Verstappen. Peut-être la solution sur les Toro Rosso. Ça continue de s'attaquer avec Sainz désormais qui plonge devant Daniil Kvyat qui bloque ses roues pour résister à son équipier. Et finalement, Verstappen reste toujours derrière et ça permet tout doucement derrière à voilà Kevin Magnussen, le Danois sur la Haas, qui va aussi en profiter peut-être. Ça y est, on a dû donner un petit coup de fil du côté de Christian Horner pour laisser passer Verstappen. Ça la fout mal, mais là, ça résiste et il doit résister. Évidemment, il fait sa course, le pilote Toro Rosso. Et l'équipe italienne qui se voit perdre une position, mais Carlos Sainz a pu filer pendant que Verstappen complétait sa manœuvre. Toro Rosso qui tente tant bien que mal de faire mieux que son équipe sœur et pour l'instant il y parvient plutôt correctement grâce aux déboires de Verstappen, notamment à Melbourne. Et on voit dans le fond d'image hein, la Force India de, je pense, Esteban Ocon en lutte avec. Je crois que c'est Valtteri Bottas, en tout cas on a des écarts assez bizarres sur nos écrans. Allez, on revient avec Vandoorne qui est derrière Lance Stroll.
Et je crois que Daniel Ricciardo est au box. Je crois que Daniel Ricciardo est au box et Lance Stroll fait de même, effectivement, laissant ainsi Van Dorn en tête. Et c'est effectivement Valtteri Bottas qui est à la chasse de la voiture d'Esteban Ocon. Oh, c'est chaud. Et Ocon qui cède la position. Il est 14e désormais, le Français. Et sans DRS, il arrive à revenir sur la Mercedes. Assez intéressant au moment où Lance Stroll quitte les boxes sous le museau de Jordan Ding. Alors en tête, on va faire un point désormais avec 3 secondes d'écart entre Van Dorn et Lewis Hamilton, qui est en bagarre avec Fernando Alonso, ce qui explique la facilité avec laquelle le pilote belge parvient à s'extraire de ses petits camarades. Oh, le blocage de roue à la limite, hein. Dans cette partie-ci, et Hamilton avec des pneus soft. Alors que du côté de chez McLaren, on a choisi d'opter pour la même stratégie. Que ce soit pour Van Dorn ou Alonso, qui pour l'instant remplissent le contrat d'Éric Bouillet, même si ça ne s'est pas bien passé du côté de la qualification hier. Aujourd'hui, ça semble être du tout bon. Allez, Alonso qui a peut-être sa chance pour revenir. Ils sont devant les deux Ferrari, hein, qui sont derrière. Hamilton qui tient la barque pour le moment. Ça glisse quand même en sortie de virage pour la Mercedes. Est-ce qu'Alonso peut profiter du DRS? Oui, il est assez proche pour utiliser son aileron arrière mobile. On ne sait pas ce qu'il en est du côté de Van Dorn, hein, concernant ses soucis de DRS. Et derrière, les deux Ferrari qui s'attaquent. Et Vettel qui va sans doute passer Raikkonen, étant sur une stratégie différente. Oh, et Raikkonen qui résiste. Eh bien, on n'a pas appris les leçons de 2016 chez Ferrari. On continue à laisser libre cours aux pilotes en piste. Mais ça leur a coûté un titre, hein, lors de cette saison précédente. On rappelle Raikkonen qui, en lutte avec Vettel, n'a pas pu aller chercher Lewis Hamilton à Abu Dhabi. La deuxième place entre Alonso et Hamilton. La Mercedes face à la McLaren Honda. On en a un point entre ces deux-là où on ne voit quasiment plus Van Dorn sur l'image. Donc il serait intéressant de réagir pour les deux pilotes. Derrière, ça continue aussi à s'expliquer au sein de la Scuderia. Si ça continue, ce sera encore un podium sans rouge. Et Fernando Alonso qui passe, malgré les tentatives d'intimidation de Lewis Hamilton. Et l'Espagnol est désormais devant. Oh, quoique. Oh, et ça manque de se toucher entre les deux. Hamilton ne veut pas lâcher, et il a bien raison. Derrière également, les deux Ferrari continuent de s'expliquer. C'est chaud, c'est chaud. Est-ce que Alonso va enfin compléter ce dépassement? Ils sont côte à côte depuis la première épingle, et non! Et Hamilton avec ses pneus soft qui résistent à l'envahisseur espagnol. Et bien voilà. On rappelle que McLaren attend son doublé depuis longtemps en Formule 1. McLaren Honda qui avait fait un dernier doublé en 91, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, ça fait de nombreuses années que l'on attend le 1-2 du côté d'un moteur Honda. Allez, on jette un oeil sur la lutte entre Raikkonen et Vettel, qui n'a pas non plus fini de donner des sueurs froides à Maurizio Arriva Bene, avec l'Allemand en pneu soft et le Finlandais en médium qui est bien placé. Raikkonen, et il résiste toujours, mais à l'extérieur, Vettel peut se montrer peut-être plus convaincant. Ah non, malheureusement, ça ne suffira pas. Et ça se touche, là c'est vraiment joué plus qu'avec le feu, parce que derrière, il n'y en a que quelques-uns qui attendent de prendre... ces points-là, et je pense que du côté de Verstappen, on serait ravi de cueillir un pied de podium après les désillusions australiennes. Et un nouveau tour couvert avec toujours le commandement pour Stoffel, Van Dorn et Alonso qui retente sa chance au bout de la ligne droite. Oh, ça semble fait, mais Hamilton qui résiste de nouveau comme tout à l'heure. Quelle bagarre entre les deux champions du monde!
Et Hamilton qui replonge pour peut-être récupérer son dû, la deuxième place. Et Alonso qui referme. Oh, que c'est chaud. Et c'est passé désormais pour Alonso. Ben, il aura mis 3 tours à trouver la solution sur son ennemi du passé. Et regardez donc, Van Dorn en tête, Alonso deuxième et Hamilton troisième devant les deux Ferrari et Max Verstappen. C'est désormais le classement de ce Grand Prix de Bahreïn. 16e tour, il y en avait 29 à couvrir. Et les deux Mercedes en médium. Ça aurait pu être la solution pour se battre face aux McLaren, mais finalement, on a décidé d'en faire autrement lors de la stratégie. 41% d'usure du côté de Van Dorn. On va rentrer, monter un dernier train, peut-être de soft d'ailleurs, du côté de Stoffel. Vous voyez un arrêt qui est programmé pour dans 2 tours. On a tout juste la quantité de carburant nécessaire et on en est au point de bloquer les deux roues et la sortie. Oh, la sortie de Stoffel Van Dorn là, qui a bloqué ses deux roues. Ah, et Hamilton qui est le premier à plonger évidemment, et il passe à son tour les pneus médiums. Et bien ça va peut-être l'aider à aligner quelques chronos avec des pneus frais et créer un undercut sur Alonso, alors qu'on a vu une Force India et une Toro Rosso se diriger vers la pit lane. Oh, et l'autre Force India qui est à la lutte là, avec une Manor toujours. Oh, c'est chaud et on est en lutte pour des points hein. 12e place pour Jordan King qui ressort derrière. Eh bien, c'est Lewis Hamilton. Et devant, c'est, je pense, Sergio Perez. Et derrière, Esteban Ocon. Et effectivement, Esteban Ocon qui est derrière tout ce beau monde. Et regardez en tête, Alonso qui s'est débarrassé d'Hamilton et qui maintenant est en train d'aller chercher la victoire avec les deux machines orange au commandement. Alors est-ce que ça va rentrer du côté de Stoffel? Pas encore, Alonso non plus. Alors là mes amis, on est en train de se préparer à une belle bagarre je pense entre les deux leaders puisqu'ils sont sur la même stratégie. Oui, on y va... sans ménagement sur les bordures pour Lewis Hamilton derrière. Ça semble plus compliqué de tenir le rythme. On le voit perdre du temps au niveau du chrono sur nos écrans. C'est dommage. Alors que devant, eh bien, je pense que là, McLaren est en train de tenir l'un de ses doublés. Allez, on retourne derrière avec la lutte qui oppose la Manor de Jordan King à la voiture de Romain Grosjean. Et je crois... Sergio Perez, Lewis Hamilton qui est derrière tout ce beau monde. Il est en train de perdre gros Hamilton hein. Je me demande si on ne va pas avoir une Ferrari sur la troisième marche de ce podium ici à Bahreïn, parce que là Lewis Hamilton est en train de se faire totalement enfermer. Et attention parce qu'Alonso a fait la jonction sur Van Dorn et il a le DRS. Le champion du monde espagnol, va-t-on voir Alonso attaquer à l'extérieur? Ce serait beau. Jeff, I don't care about the cap behind, I'm fighting with Fernando, so now shut up. Oh, et ça commence à barder à la radio avec un Van Dorn très énervé sur son ingénieur puisqu'il vient de céder. Et son ingénieur qui lui rappelle malgré tout que c'est ce tour-ci qu'il doit ravitailler. Et finalement, est-ce qu'Alonso plongera premier? Je pense que Van Dorn sera le premier à rentrer pour créer l'undercut, mais il est désormais derrière son coéquipier Alonso en tête du Grand Prix. Et Van Dorn qui plonge. Ah, ça va être intéressant tout ça, attention à la limite des box, on bloque les roues évidemment pour le Belge. Et ça rentre aussi derrière chez Ferrari, on va monter un nouveau train de pneus médium à Sébastien Vettel. Voilà, les pneus à bande blanche et un train de soft pour Alonso, peut-être dans quelques minutes. Pour Van Dorn, ça vient d'être monté. Et avantage à Van Dorn qui va pouvoir mettre toute la puissance de son moteur au profit d'un undercut qui lui permettrait de garder et de reprendre même la tête de ce Grand Prix de Bahreïn. Alors que plus loin, on retourne sur la lutte entre Esteban Ocon
la manœuvre de Jordan King et Lewis Hamilton toujours bloqué, même s'il gagne quelques positions, il va être dans les points désormais Hamilton, mais là il a perdu toute chance de figurer sur le podium de ce Grand Prix de Bahreïn avec la Force India et la manœuvre qui le gêne. C'est le même bloc qu'il y a dans ces deux voitures. L'As de Magnussen est sixième, je crois que ça doit être Lance Stroll qui est devant. Et Alonso à piste libre, ce qui n'est pas le cas. Regardez Stoffel Vandoorne qui est pris dans le trafic des voitures plus lentes n'ayant pas encore ravitaillé. Ça s'énerve, on voit les blocages de roues intempestifs. Esteban Ocon qui va se faire attaquer par Jordan King et la manœuvre. Va-t-il compléter son dépassement, le Britannique avec ses pneus soft? Mais attention parce qu'Hamilton veille au grain pour essayer de récupérer une autre position. Jordan King qui est passé, incroyable! Et ça résiste pour Ocon qui va devoir maintenant faire avec Lewis Hamilton dans ses rétroviseurs. On voit Felipe Nasser sur la deuxième manœuvre derrière. C'est passé aussi je pense pour Hamilton. Voilà Ocon le français qui doit céder deux positions en un secteur. C'est pas la meilleure chose à faire dans cette fin de course. La deuxième place pour lui. Pour l'instant la manœuvre à un point. Mais attention parce qu'Hamilton va peut-être empêcher le garage manœuvre de sauter de joie. Et bien voilà, Hamilton récupère le point du top 10. Alors qu'entre Vandoorne et Alonso, voilà Alonso qui a ravitaillé, qui se retrouve désormais derrière Vandoorne. Vandoorne qui a fait l'undercut et ça a fonctionné. Et les deux McLaren qui sont désormais à quelques dixièmes les unes des autres. Le leader pour l'instant de ce Grand Prix de Bahreïn, eh bien c'est le pilote canadien Lance Stroll sur la Williams Mercedes FW40, la machine de Claire Williams qui est en train pour l'instant de mener l'épreuve, mais il va devoir rentrer une nouvelle fois au box le pilote canadien, mais il aura quand même mené. C'est assez rapidement. Attention, l'attaque peut-être d'Alonso avec le DRS. Vandoorne là aussi, il est réparé cet aileron arrière pour se défendre, mais ça va être très très chaud je pense d'ici l'abaissement du drapeau à damier entre les deux pilotes McLaren. Is the Williams pitting in this lap? Et Vandoorne qui demande si la Williams va partir du chemin à l'issue de ce tour parce qu'elle le ralentit, je pense. Bon, attention, Vandoorne qui ne doit pas se louper. Il n'y a pas de blocage de roue et il est à l'aspiration pour aller chercher la Williams. Va-t-elle rentrer ce tour-ci? Non! Il va falloir la dépasser au DRS, ce que va faire Vandoorne. On est avec Alonso depuis l'arceau de l'Espagnol. Ça va passer pour Vandoorne et ce sera intéressant de voir si Stroll va aussi se défendre. Oui! Et ça peut changer beaucoup de choses. Ah, ça va changer pas mal la donne avec Vandoorne qui est passé devant Stroll, mais pas Alonso. Et Lance Stroll qui va donc désormais résister au pilote espagnol. C'est du tout bon pour Stoffel Vandoorne, tout cela. Oh, et Sergio Perez qui est au ralenti. Crevaison! Crevaison pour Sergio Perez. Et on est avec Lewis Hamilton qui va peut-être... Voilà, la Force India qui ralentit. Oh, qui ralentit fort. Oh, Lewis Hamilton qui percute la voiture de Sergio Perez. C'est terminé pour la Mercedes qui est arrêtée dans le premier secteur. Drapeau jaune, va-t-on avoir droit à une voiture de sécurité? Ce qui pourrait sauver le Grand Prix de Lance Stroll, mais non. Et voilà, Perez qui continue avec une voiture complètement ralentie. Il bloque Felipe Nasser. Et il y a Bottas qui est derrière. Et Mercedes qui se voit amputé d'une voiture avec l'abandon. Lewis Hamilton, vous ne le voyez pas, qui met pied à terre. Incroyable ce qui s'est passé. Et Hamilton qui était peut-être en train de vérifier l'un ou l'autre réglage sur son volant. Et là, Perez qui s'arrête en plein milieu de la piste. Attention, Massa qui passe. Drapeau jaune dans le troisième secteur pour Perez. Alors que Vandoorne est toujours en tête désormais. Il a la deuxième place puisque Ricardo n'a pas encore ravitaillé, mais Ricardo va passer par les boxes si ce n'est déjà fait pour le pilote australien. Drapeau jaune dans le deuxième secteur, vous le voyez en bas à gauche de votre écran. Okay, distance to teammate, 0.9 seconds. Et Raikkonen qui en une 34-636 est le plus rapide. Alors qu'on continuait d'informer Stoffel Vandoorne sur ce qui allait se passer dans les prochaines minutes, eh bien nous on vous prédit une belle lutte entre les pilotes de l'équipe McLaren. Ici est le dernier espoir de Mercedes. C'est Valtteri Bottas qui passe Felipe Nasser. Et oui, il passe devant le pilote brésilien. Et devant, ce doit être, je crois, Carlos Sainz avec la première des deux Toro Rosso.
Alors, en fond de peloton, la lutte est également présente avec Marcus Ericsson qui tente de passer Nico Hülkenberg et la Renault. Alors, on se bat quand même pour la 17e position. Et Hülkenberg qui résiste à Marcus Ericsson, même si je pense qu'il y a plus intéressant à nous montrer que la lutte entre ces deux-là. Et voyez, il y a beaucoup de débris sur la partie droite du circuit. On constatera la rapidité avec laquelle la Mercedes a été évacuée. Ricardo, toujours leader en pneus soft, avec 11 secondes d'avance au passage du dernier transpondeur. Et ça s'arrête, l'arrêt au box pour Ricardo, laissant donc Van Doorn en tête. Et le meilleur tour pour Stoffel Van Doorn. Le meilleur tour pour le pilote belge dans ce Grand Prix de Bahreïn. Alors qu'on continue de nous montrer cette explication, je ne comprends pas pourquoi on s'intéresse particulièrement à cette lutte, mais pourquoi pas. Avec la résistance de Nico Hülkenberg qui va céder face à la Sauber de Marcus Ericsson. Allez, Pascal Wehrlein qui est ici. Ils sont 17, 18 et 19e. Et avec le DRS, je pense que ça va revenir rapidement pour Wehrlein. C'est bien aussi de vous montrer un petit peu les Sauber qui ont droit à leur temps de télévision. Oh, le ponton gauche de la voiture de Pascal Wehrlein qui est dans un état assez lamentable. Et ça n'est pas la lutte avec Ericsson et Hülkenberg qui va l'aider. Allez, Pascal Wehrlein sur les freins peut-être. C'est chaud, hein. C'est une belle bagarre entre les deux monoplaces de fin de peloton. Ouais, et ça lève la main du côté de Hülkenberg, on n'est pas content. Et pour cause, Wehrlein est assez chaud bouillant. Allez, enfin, la tête de course. On va peut-être s'intéresser aux choses importantes dans cette fin de Grand Prix. Il reste 6 tours de course à l'instant. Et Alonso est en train de revenir à 7 dixièmes de Stoffel Van Doorn. Va-t-on assister à une lutte, on en parlait en tout début de retransmission, à une lutte entre pilotes de la même équipe. Alors pour l'instant, pas de consigne au sein de l'équipe McLaren Honda. On va peut-être en voir s'instaurer tout de suite. Ces deux-là sont très très proches. Alors, en tout cas, on est content, c'est que McLaren est revenu aux affaires avec... une voiture qui est pour l'instant potentiellement capable de gagner, même s'il y en a une des deux qui casse, l'autre arrivera au bout, du moins on l'espère, hein. On va pas porter un mauvais sort aux deux machines. Alors, on dit souvent d'une femme que nouvelle coiffure, nouvel homme. Est-ce que pour McLaren, nouvelle livrée, nouveau titre de champion du monde? On va pas s'avancer évidemment en cette deuxième Grand Prix, mais ça fait plaisir à voir. Attention, puisque Van Doorn va devoir désormais s'attaquer à une ligne droite sans DRS, alors qu'Alonso le dispose de manière couchée, mais ça ne suffit pas pour Alonso. Alors qu'on a vu derrière les deux Ferrari à la lutte, on avait les Mercedes qui étaient bien au début d'épreuve, mais là c'est désormais entre Vettel et Raikkonen que se décidera la troisième marche du podium à l'issue de ce Grand Prix qui pour l'instant nous offre une somptueuse bagarre entre les deux leaders. On va voir si ça va s'échanger les positions au niveau de la ligne droite. Est-ce qu'Alonso va réussir à doubler Van Doorn? L'Espagnol qui déboîte pour prendre la tête du Grand Prix. Et à 5 tours de l'arrivée, c'est fait. Et Alonso qui doit protéger face à Van Doorn. L'Espagnol est en tête. Désormais, changement de position en tête entre les deux McLaren. Alors que derrière, Vettel conserve l'avantage sur Raikkonen. Mais c'est chaud entre les deux aussi. Regardez Raikkonen en haut à gauche qui s'empare de la troisième place. Van Doorn qui a voulu plonger, mais il n'a pas pu. Ça bloque les roues. Et maximum attaque du côté du pilote belge pour récupérer peut-être la première victoire de McLaren cette saison. Ah, celui qui veut faire les titres des blogs et des journaux demain. La plongée de Van Doorn à l'intérieur, elle est superbe. Et ça bloque les roues, ils sont côte à côte désormais. Qui aura le DRS pour la deuxième ligne droite? Alonso qui freine tard et qui évite le blocage de roues. Le DRS pour Van Doorn. Et il est un peu loin malheureusement le Belge pour tenter sa chance sur son équipier. Derrière également, il y a quelques secondes qui séparent, quelques dixièmes en tout cas, Raikkonen de Vettel. Ça bloque encore les roues. Attention à ne pas aller trop loin avec la gomme. Et là, Alonso qui a pris un certain avantage à 4 boucles de la fin pour ramener le trophée du vainqueur.
et je crois que c'est parce qu'en fait au classement constructeur Renault et BMW Sauber sont très très proches avec quelque chose comme 0 points, donc c'est assez intéressant de nous les montrer. Allez, la troisième place, Vettel l'a cédé il y a quelques secondes à Kimi Raikkonen, son équipier. Raikkonen qui a un morceau d'aileron cassé, je crois, à l'avant gauche. On n'a pas un immense écran dans notre cabine, mais de ce que je peux voir, on dirait que oui, le flap avant droit pardon, de la Ferrari est endommagé. Allez, Alonso qui est en train de continuer sa chevauchée vers peut-être une belle victoire. Est-ce que Van Dorn a les moyens d'empêcher son équipier d'aller l'emporter? On va voir ça dans quelques secondes. Et toujours ces débris hein, de la Force India. Ça va barder à mon avis dans quelques secondes entre les deux là, parce que Van Dorn est plus rapide dans le premier secteur que son équipier qui mène devant lui. L'explication s'annonce chaude entre les deux hommes. On a hâte de voir ce que tout cela va nous donner. Et il ne reste que quelques boucles. Un peu moins de 4 exactement. Le bon moment pour s'emparer du commandement. Allez, Van Dorn qui a le DRS mais qui est loin d'être en mesure de menacer directement Alonso. Can I use the rich mix till the end? There's 4 laps of fuel remaining. Ça discute consommation du côté de la radio avec Jeff. Et je pense que Van Dorn va désormais utiliser le mélange riche pour aller chercher Alonso jusqu'à l'abaissement du drapeau à damier. Le DRS pour le pilote belge. Peut-être pas attaquer mais se rapprocher d'Alonso. Et Van Dorn qui en 1.34 tout pile s'empare du meilleur temps et peut-être même de la tête de course. Il va aller chercher Alonso qui résiste. Et à l'intérieur ils sont tous les deux côte à côte. Van Dorn qui laisse la place. Alonso qui est à gauche va avoir une meilleure relance. C'est chaud. Jeff, I don't care about the weather, so shut up now. Alors que Van Dorn ne mâche pas ses mots avec évidemment son ingénieur qui le met peut-être à la faute. Van Dorn qui est allé trop loin sur les freins, Alonso reprend la tête. Il reste moins 2-3 boucles ici à Bahreïn et les deux voitures sont en train de se livrer une lutte incroyable sur la piste de Sakhir sous les projecteurs. La nuit est désormais tombée, les feux d'artifice commencent d'ailleurs à crépiter tout autour de la piste, qu'ils soient volontaires ou non. Et on est à quelques minutes du dénouement de ce Grand Prix. On saura bientôt qui d'Alonso, avec qui vous êtes actuellement caméra embarqué, ou Van Dorn sera vainqueur. Et là Alonso qui a frappé fort, mais je pense que Van Dorn va lancer une nouvelle charge dans la ligne droite d'ici quelques instants. Mais ça semble difficile, mais on a vu la vitesse de pointe absolument hallucinante de la monoplace numéro 91. À bord de la voiture de Van Dorn. I feel the car losing some power at the end of the straight. Is there any problem? Come on! Alors du côté de Van Dorn, ça râle. Hein. Maintenant, c'est officiel. Effectivement, Van Dorn qui constate une perte de puissance de son moteur. C'est normal entre le sable et la chaleur. Mais ce qu'il est peut-être en train de comprendre, c'est que ça va lui faire perdre une potentielle victoire ici à Bahreïn. Allez, compte, de toute façon, à l'issue du classement, ça doit être, je pense, Van Dorn qui prendrait la tête devant Alonso et Bottas, mais on ne va pas s'avancer non plus sur les chiffres. Allez, Van Dorn, qui désormais doit résister le plus possible à la pression. Voilà, il est dans l'aspiration de Alonso, il plonge au même endroit que tout à l'heure et il s'empare de la tête. Changement de position de manière incisive pour la McLaren qui se retrouve de nouveau en tête. Et Alonso a le temps de réagir puisque Van Dorn bloque un peu ses roues. On voit au premier rang la voiture de Perez. Attention Alonso avec le DRS qui est en train peut-être de nouveau récupérer la tête de course. Il se porte à la hauteur de son équipier. Ils vont freiner côte à côte et Alonso reprend la tête. Et Van Dorn qui croise. Incroyable. Et ils se touchent. Ils se sont touchés. Et malgré tout ça permet à la voiture du pilote belge de rester devant. Mais pour combien de temps Alonso sur l'extérieur va tenter peut-être de replonger. Ils sont en train d'aller peut-être au-delà de la limite entre les deux. Et Alonso qui va profiter du DRS pour peut-être entamer le dernier tour en tête. Même pas avant, ça plonge pour Alonso dans le dernier droit. Van Dorn ne peut pas fermer la porte et Alonso prend la tête. Non, il reste côte à côte. Nouveau contact entre les deux voitures. On voit les stigmates sur le ponton de la McLaren d'Alonso.
Van Dont qui va chercher l'aspiration. Ils sont face au mur des box. Ils vont chercher les marbles. C'est pas la meilleure chose à faire. Dernier tour de course ici à Bahreïn. Et Alonso semble avoir pris la tête. À l'issue du dernier tour, ça plonge de nouveau pour Van Dorn. Ils sont côte à côte, incroyable. Où vont-ils terminer? Ça va se terminer par un accident, c'est pas possible. Alonso est à l'extérieur, va-t-il résister? Le pilote espagnol, nouveau freinage à l'avantage de l'espagnol qui va conserver la tête dans ce dernier tour, c'est incroyable. Et on confirme que c'est le dernier tour de course, mais nous on l'avait bien vu parce que là, la lutte est magnifique, mais je pense que Van Dorn est en train d'abdiquer. Alors là, ce final de Grand Prix est absolument historique entre les deux pilotes. Et j'en connais un qui doit être sur le muret des stands entre joie et tension. C'est Éric Bouillet, le Français, qui doit se dire « Est-ce que mes deux pilotes ne vont pas ruiner 20 ans d'histoire en se mettant dehors ?» Mais pour l'instant, ça tient. Et derrière, on voit le retour de Max Verstappen qui va peut-être aller chercher et Kimi Raikkonen pour le pied de podium. Alors que les deux pilotes de tête reviennent sur... La Force India, je pense, de Sergio Perez. Alonso va sans doute s'imposer à l'issue de ce 29e et dernier tour du Grand Prix de Bahreïn. On voit mal comment Alonso pourrait perdre ce Grand Prix maintenant. Van Dorn qui s'avoue quasiment vaincu. Mais quelle lutte entre les deux. Et ça nous donne le ton pour cette deuxième saison au sein de l'équipe McLaren pour Van Dorn. Alors qu'il avait un volant Ferrari entre les mains, c'est désormais Fernando Alonso qui va remporter le Grand Prix de Bahreïn au terme d'une lutte incroyable. C'est fait pour Alonso. Great drive. We're really happy with that performance. Oh, I'm so disappointed with that P2. Come on. So, yeah. Congratulations to Fernando. It was a great fight. Et la joie du muret McLaren avec la première victoire de la saison et le premier doublé depuis de trop longues années. Fernando Alonso qui s'impose ici à Bahreïn devant son coéquipier qui a été un petit peu ému. Hein. On l'a entendu à la radio au moment de passer la ligne d'arrivée. On sent la déception. Il aurait aimé ramener cette victoire. Mais quelle explication entre les deux pilotes. Et le podium avec Stoffel, Van Dorn, deuxième, troisième Vettel. Et le vainqueur, Fernando Alonso. La McLaren numéro 14 aura donc remporté le deuxième Grand Prix de cette saison. Et ils ont l'air tous d'être assez heureux. Le champagne coule à flot, même si ce n'est pas du champagne ici. À Bahreïn, vous le savez, tout comme à Abu Dhabi par exemple. Voilà, c'est sur ces images que l'on va refermer le deuxième Grand Prix de cette saison. Mais avant, on va tout de même jeter un coup d'œil aux résultats de ce Grand Prix. Et belle performance des deux Toro Rosso qui quand même terminent dans les points. Les deux Red Bull également, ça va faire du bien à Max Verstappen. Derrière, les Manors s'en sont bien sortis également, on notera l'abandon de Lewis Hamilton. Fernando Alonso s'empare de la tête du championnat du monde pour 4 petits points devant Valtteri Bottas. Hamilton est un petit peu derrière. Au classement constructeur, c'est McLaren qui désormais prend les rênes. 19 points devant Mercedes. Et bien voilà, c'est sur cette superbe explication que l'on va tout simplement refermer ce Grand Prix de Bahreïn. Un point également sur l'évolution du championnat avec le statut des évolutions. On va encore amener du nouveau chez McLaren pour le prochain Grand Prix. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette lutte interne chez McLaren qui n'est que de bon augure pour le reste de la saison. Il me reste à vous remercier pour votre attention et votre fidélité. On se retrouve très vite pour la troisième manche du côté de Shanghai. Il y aura beaucoup d'eau, je peux déjà vous le dire. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Au revoir.